sais pas si vous voyez la tache blanche, mais c'est le lièvre. Donc c'est pas le même lièvre comme chez nous, le lièvre d'Europe. C'est un lièvre qui change de pelage avec l'hiver qui arrive. Ils sont tout blancs. Ils sont un peu plus petits. Il y en a quelques-uns en France dans les montagnes. C'est la première fois que j'en vois. Il y en a en face de moi et un plus haut. Et l'abri où je suis censé dormir ce soir, il est juste derrière la crête là-bas. Donc je vais pouvoir revenir et essayer de faire des belles photos. Peut-être demain matin on a vu. Je vais essayer de prendre celui-ci en photo. Il est pas très loin. Mais c'est un truc de malade, pourtant je suis sur le sentier. Sauf que le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, tous ces animaux qui ont le pelage blanc en hiver, les lagopèdes, les lièvres comme lui ou l'hermine, ils sont plus facilement repérables par les prédateurs comme le bigargue. C'est une sensation assez bizarre de voir un animal sauvage comme le blanchon devant soi, qui a l'air assez serein, il me renifle, il me tient quand même à l'œil. Mais j'ai pas l'air de le déranger plus que ça. Je vais pas non plus m'éterniser parce que j'ai pas envie de le stresser pour rien. Parce que la stratégie en fait des lapins ou des lièvres, souvent c'est surtout les lièvres, c'est de rester tapis dans l'herbe en attendant que le prédateur passe. Donc je vais partir, je vais le laisser tranquille. Il est juste là. Et le sentier ici. Au revoir monsieur Blanchon. Et bah avec toutes ces rencontres, j'ai même pas fait d'introduction. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Alex. Aujourd'hui, on est dans un décor magnifique de montagne avec un fjord juste derrière. On va passer deux jours ici. Normalement, il y a un petit abri juste devant. D'ailleurs, je le vois au fond. Et ensuite, je pense qu'on ira se faire le petit sommet juste ici. En tout cas, cette nouvelle aventure dans les Lofoten commence plutôt bien. Je vais être trop bien. C'est parfait. Ouais, à force de vadrouiller en bottes, ça sent un peu les marécages. C'est parti. Direction la montagne. Bon, il pleut beaucoup. J'espère que ça va se calmer. C'est pas la montagne la plus impressionnante du coin, mais j'aime beaucoup sa forme avec la crête comme ça qui monte. Je la trouve super jolie. Je vais la baptiser la montagne au Blanchon. Elle est magnifique. Presque sommet. Il me reste 300 mètres, je pense. La pluie se calme toujours pas. Je suis trempé, gueuillé, comme on dit par chez moi. Allez, j'y suis. Le sommet. Ouh. Faut pas que je lâche la caméra. Ouais. Wouhou. Oh, la vue de dingo. La vue. Il fait nuit dans une heure. On se voit à la cabane. Sauf si je vois quelque chose sur le chemin. Youhou. Les pimpons à couvrant l'air courbe. J'entends le loup, le renard, la bolette. J'entends le loup et le renard chanter. Il est actuellement 16h et il fait déjà nuit. Du coup, j'ai du temps à tuer. Je pense que comme c'est un refuge ouvert, je vais mettre mon tarp à l'entrée pour boucher les entrées d'air. Et la pluie rentre un peu, mine de rien. Et je vais me transformer en père castor et vous raconter une histoire. Bon, j'ai réussi à bidouiller un truc pas trop mal avec le tarp. Ça me protège à peu près. Cuisine. Salle de séchage. Chambre.
Skol, comme on dit ici. Ah, ça fait du bien, un petit thé chaud. Donc je vous disais, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée pas plus tard qu'hier. À la base, je devais pas venir sur cette montagne dans ce refuge. J'avais repéré un endroit où on disait qu'il y avait beaucoup d'élan. Donc voilà, je pars. Les lumières sont magnifiques. Beaucoup de traces d'élan. Donc ça, c'était génial. Des empreintes, des crottes, et il y avait des pousses aussi d'arbres, des jeunes pousses d'arbres qui venaient d'être mangées, donc j'étais plutôt content, c'était cool. Et en fait, le refuge se situait à un lac d'altitude. Il y avait un premier lac et un deuxième lac. Je commence à monter, ça glisse, je suis toujours en bottes, j'ai mes bâtons, mais c'est vraiment limite. Malheureusement, oh le pétage de gueule, en direct, il était beau celui-là. J'arrive au premier lac, et je vois que le deuxième lac, clairement, j'ai pas l'équipement pour. C'est une pente comme ça, et dans ces moments-là, faut se fier à son instinct. Donc je me suis dit, ça sert à rien de pousser. Je rentre. Donc la leçon que je tire de cet échec, c'est que bien sûr, faut regarder le topo sur carte, par où tu peux passer, les sentiers, etc. Mais aussi, faut regarder le topo relief, ce que je n'avais évidemment pas fait. C'est sûr, sur une carte, tout paraît plat, même si je me doutais que c'était de la montée. Je pouvais pas savoir que c'était de la montée comme ça et pas comme ça. Donc voilà, bien regarder le relief sur carte. Après, pendant cette sortie, j'ai pu photographier un groupe de mésanges nonnettes. C'était assez cool. Bon, maintenant, faut que je m'occupe. Il est que 16h30 et j'ai pas pris de livre. La boulette, au moins je vais pouvoir méditer sur la vie. La technique, mettre son lyophilisé chaud en bouillotte quand on a les pieds gelés. Levé demain matin 6h et je pense que je vais aller faire un affût dans le fjord au bord de l'eau parce que j'ai entendu des pigargues. Peut-être qu'il y aura aussi des loutres, on ne sait jamais. Et puis après, je vais remonter dans la montagne pour essayer de refotographier les blanchons. Allez, bonne nuit et à demain. J'ai pas revu le pigargue. Aile déployée, c'est impressionnant, il est immense cet oiseau. Je vais prendre le chemin et longer le fjord, peut-être voir des choses intéressantes. Et puis après, on va retourner dans la montagne. C'est dingue comme ici, et c'est ce que j'aime le plus, je pense. Tu passes d'un milieu maritime à un milieu marin. Tu peux voir des guillemots, des cormorants, des goélands. Puis à côté, tu fais 20 minutes et t'es dans un univers tout aussi sauvage avec des lièvres variables et des lagopèdes. Alors maintenant, on va essayer de trouver les lièvres. Ok, j'en ai repéré un. On dirait un sage.
devant sa caverne qui médite en regardant le monde de haut. Je sais pas ce qu'il pense du monde des humains, mais à mon avis, c'est pas très positif. Malheureusement, quand j'étais en bas, j'ai vu que des gens avaient pris le chemin. Ils avaient un chien qui était tenu en laisse, mais les lièvres ont dû monter. Trop cool de les voir quand même. Ce midi, c'est ravioli. En plus, ça rime. Wow! Bon, bah, je pense... Wow. Tout s'envole. Wow. Bon, je vous reprends dans une minute. Donc, je disais que l'affût de cet après-midi allait être compliqué. Je pense que là, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Et les animaux doivent être rentrés bien au chaud, et c'est ce que je vais faire aussi. J'ai encore une petite surprise pour vous pour cette fin de vidéo. Une fois n'est pas coutume. À tout à l'heure. Waouh. Ok, je suis à la lumière, c'est parfait. Changement de décor, donc je ne suis plus holophotone. Petit spoiler pour la prochaine vidéo, je vous ai montré quelques images. Donc comme je vous disais, j'ai une petite surprise, même deux, pour vous. Je vais vous mettre une photo maintenant de Pigargue qu'Agathe a pu faire. Un Pigargue qui s'est posé, elle a eu beaucoup de chance, la photo est magnifique. Vous pouvez voir la taille du bec par rapport à la tête du Pigargue, c'est absolument incroyable. Un oiseau fascinant, très grand rapace, qu'on a aussi en France, mais malheureusement, qui se porte pas très bien. Bref, on va pas parler écologie. Je vais vous quitter sur des petites images de loot que j'ai pu capturer avant de partir des îles Lofoten, grâce à la caméra automatique que j'ai reposée, et ça n'a pas manqué, ils sont repassés plusieurs fois, parce que c'est un passage qu'ils empruntent pour aller pêcher dans la mer. Les images sont absolument fabuleuses, donc je vais vous laisser là-dessus avec une petite musique bien sympa. N'hésitez pas à partager, commenter, tous les trucs classiques de youtubeurs. C'était Alex, ciao !